T'as vu ma démarche le matin un petit peu? C'est robotique. On va libérer la bête. La meilleure boisson au monde. Pas plus. Bon dimanche à tous les amis, ça fait déjà le 7ème vlog aujourd'hui. Ça fait déjà une semaine, bon il y en a encore 4 à faire, mais on avance, ça fait plaisir. En tout cas j'espère que vous kiffez toujours autant de regarder mes petits vlogs chaque jour. Pour ma part bien sûr, le plaisir est intact. Mais comme je viens de vous le dire, aujourd'hui c'est dimanche. Donc il n'y a pas grand chose de prévu, mais c'est la course MotoGP aujourd'hui. Donc je vais pas manquer ça. Et on ira peut-être taper 2-3 petites balles de golf. En tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il n'y a rien de prévu qu'il n'y aura pas d'activité. Hein. Bien sûr, je vais prévoir 2-3 petites choses. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans ce 7ème vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes posé, détente et que vous allez kiffer un petit peu cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, votre petit commentaire, à partager la vidéo vraiment dans le meilleur des cas. Et bien sûr, à vous abonner et activer la cloche. Et c'est parti pour une nouvelle journée à mes côtés. Bon, comme d'habitude, je descends un petit peu dans ma petite salle de sport. Je suis en train d'exporter la vidéo que vous avez vue hier normalement, celle où je vous parle un petit peu de moula, hein, un petit peu d'argent, en toute humilité bien sûr, ça vous le savez. Mais en tout cas, je suis en train d'exporter la vidéo, de la basculer sur YouTube, histoire de la préparer et de la programmer pour ce soir à 20h. Comme ça au moins, vous voyez un petit peu toute l'organisation qu'il faut pour une petite vidéo YouTube chaque jour. Ça demande quand même pas mal de boulot. Hein. Mais comme d'habitude et comme je vous le dis souvent, c'est que du kiff. En tout cas, pendant que ça charge, pendant que ça s'exporte, je peux pas faire grand chose, sur mon ordi du moins. Bah, je vais marcher un petit peu, voilà. Je vais me débrider, me débloquer un petit peu les jambes, parce que le matin, en général, je sais pas si vous avez vu, mais bon, je pense qu'il faut être miro pour pas le voir, c'est que j'ai une marche quand même plutôt très robotique, j'ai les muscles assez raides, et ça c'est dû à la spasticité, je vous l'avais expliqué dans le vlog où je m'étire, je crois que c'était... Je vais pas vous dire de conneries, parce que franchement, je sais même plus. On en fait tellement des vlogs, que voulez-vous? Je peux pas les retenir comme ça à chaque fois. Ne m'en voulez pas. Insupportable dès le matin. En tout cas, du coup, je vais mettre le MotoGP. Enfin, là, c'est la course Moto 3. C'est les jeunes. C'est les petits minots, tu vois. Et puis, je vais me regarder ça en faisant mes petits 3 km à pied. Attention, parce que ça use. Ça use les souliers. Excellent, putain. Excellent. Bon, pendant que je mets mes chaussures, je ne vais quand même pas louper le départ. Attendez, c'est le plus important. Parce que le temps que la télé s'allume, avec le wifi qu'on a ici à Saint-Privat, ah bah, c'est un petit village, hein, il faut pas trop en demander. Enfin, je crois qu'on a la fibre maintenant. On l'a pas prise. Bon après, tant que ça marche, hein, on va pas se plaindre. Allez, c'est parti. Quoi, j'en fais un peu trop? Attendez. T'as les amis, ça me faisait penser à une petite anecdote. Parce que ça fait partie du handicap que l'on ne voit pas, un handicap invisible. Je vais vous partager un petit fait sur moi personnel, hein, parce que je pense que vous commencez à voir qu'il n'y a plus trop de barrières entre nous. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Mais comme vous le savez, comme je vous l'ai dit hier, mon handicap est compris entre 50 et 80%. Donc il y en a qui ont dû se dire, quoi, 50-80%, mais... Où il est cet handicap? Parce qu'il est debout, il marche, bon, d'extérieur ça se voit pas forcément. Mais ce qu'il faut pas perdre en tête, c'est que j'avais perdu de la motricité à partir d'ici. Donc vous voyez que... La plus grande partie du corps ne fonctionnait plus. Il n'y avait plus rien, tout ce qui était muscle, et ça répondait plus. Bon, aujourd'hui, comme vous le savez, ben, j'ai grandement récupéré, c'est complètement incroyable. Mais là où je voulais en venir, les amis, c'est ce que vous voyez pas, c'est quand je vais pisser. Parce que la vessie, c'est un muscle, donc au début, j'y arrivais pas. Vous le savez peut-être pas, mais quand on se paralyse, quand il y a une atteinte à la moelle épinière au-dessus du cou de la vessie, ben, c'est dans 99,99% des cas, elle ne fonctionne plus. Enfin, on peut plus la contrôler nous-mêmes. Donc figurez-vous que ça aussi, j'ai pu le récupérer, donc j'arrive par moi-même à déclencher ce qu'on appelle une miction dans le milieu un petit peu médical, parce que je m'y connais un petit peu, quoi, maintenant. Mais là où il y a un côté positif là-dedans, parce que vous le savez, je vois le positif partout où il y en a, c'est qu'il y a un petit côté hygiénique, parce que j'arrive à pisser que quand je suis assis. Voilà, c'était la petite anecdote personnelle, ultra intrusive, tout ce que tu veux, que j'avais envie de vous partager, parce que voilà, il n'y a plus de barrières. Ça sert à quoi les barrières? Mais voilà, j'ai pu récupérer tout ça, et franchement c'est le top, et puis quand on perd, et puis quand on retrouve, c'est là qu'on se rend compte de l'importance de tout ça, de ces petites choses du quotidien. Même si aujourd'hui, je suis encore obligé un petit peu de me concentrer pour pouvoir...
pisser tout simplement. Je suis vraiment en train de vous raconter ça sur YouTube. Bon allez, bref, passons. On passe à la marche devant la moto. Je sais pas qui a eu la brillante idée d'inventer des lacets ronds. Regardez. Ce genre de lacet, faut vraiment l'interdire en 2022, c'est complètement relou quoi, ça se défait toutes les 30 secondes et demie. Non non, c'est pas une blague, c'est vraiment le fait qu'il soit rond, bah il se dessert tout seul. Donc voilà, rien de vaut les lacets plats, ok. C'était une petite parenthèse inutile, mais comme tant de choses dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire. Bon, ok, c'est parti. Bon, après avoir marché une petite demi-heure, me voilà un petit peu plus libre dans mes mouvements, j'ai envie de dire. Donc j'ai fini d'upload la vidéo. Création de contenu et handicap, combien je gagne par mois? Et vu le titre, là il va y avoir du clic. Ah, je peux te le dire. Il y en a un paquet qui regarde pas mes vidéos d'habitude et là, oh, bah, comme par hasard, ils vont les faire les curieux. Ah là là, on les connaît ceux-là. Bon bref, moi je me suis pris un petit coca parce qu'il y a un frigo juste là. Je voulais pas montrer mais il est juste derrière ici. Voilà, quand on fait un petit peu de sport, on a de l'eau, tout ce genre de choses. Mais on a aussi des coca bien frais chacun. Du coup je me suis pris un petit coca et là ça va être l'heure de regarder le MotoGP. Là ils vont rentrer en grille, il y aura tout ce qui est interview, tout ça. Et vu que c'est dimanche et que j'ai rien d'autre à faire et surtout que j'adore ça, bah, je vais pas me laisser prier, tu vois. Comme un daron avec sa petite binge devant le foot. Bah moi c'est pareil, j'ai du coca devant la moto. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez fait ce dimanche et quel sport vous suivez à la télé en général. Parce que moi c'est la moto et rien d'autre, ok? Et vous, qu'est-ce que c'est? Plus les sports collectifs, individuels, dites-moi. Première gorgée, c'est toujours la meilleure. Jusqu'au bout, il y a eu de la bagarre et cette attaque... Bon, le Grand Prix vient de se terminer, pas un Grand Prix de fou, hein. Nos Français là qui étaient partis en tête. Il y en a un qui est tombé et l'autre qui a fait 8. Bon, c'est comme ça, ça arrive. Bon, en ce début d'après-midi, je vais aller voir un petit peu de famille et ensuite j'irai tourner un petit réel. Voilà, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. En tout cas, j'ai eu une petite idée bien sympa et j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, une petite vidéo très très simple, hein, vous me connaissez. Hein. Mais c'est parti, à table, je vous dis à tout à l'heure. Bon, direction le terrain, on dirait que je suis ton chauffeur. Vous voulez aller où, madame? Direction... À Saint-Tropez, s'il vous plaît. Saint-Tropez? Ok, on y va. C'est parti. Bon, allez, je vais tourner mon petit réel. Il est déjà 17h54. Donc comme ça, je le tourne et je le poste aussitôt. On est réactif, mon gars, ici. On est réactif. Il est en train de faire un petit tour de la piscine. Un petit coffrage, seigneur. Eh, c'est bijou, ça. En gros, tu vois, je mets un truc là et un truc là, un mot et je choisis, tu vois. Oui. Et donc, il y en a un, c'est gagner 5 millions. Et l'autre, c'est des smileys avec un œil et un livre. Et en dessous, il y a entre parenthèses, pour qu'on comprenne, c'est marqué savoir lire. Je fais par rapport au smiley, donc je fais comme ça. Et sauf que, du coup, une fois que je sais lire, je fais... Je sais pas si tu comprends, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Jeu d'acteur en français, mon gars. Je crois qu'on est pas trop mal, Livia, là. Je vais faire mon petit montage. Bon, ça y est, il est 7h20, je crois. J'ai posté mon réel il y a quelques minutes, parce que j'ai fini de le tourner, fini de le monter. Bon, c'était très rapide, hein, si vous l'avez vu. Et d'ailleurs, il a pas marché de fou. Donc, je suis pas sûr que tout le monde ait compris. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. On fera mieux demain. En tout cas, après la chasse aux œufs de Pâques, maintenant, c'est la chasse aux balles de baseball. Pas du tout. Pas du tout aux balles de golf, je suis un petit peu fatigué. Donc c'est la chasse aux balles de golf, parce que je les envoie un petit peu partout. Ça part de là-bas et il y en a sur tout un périmètre parce que franchement j'ai pas un niveau de fou. Donc là on va les chercher, on va essayer d'en ramasser quelques-unes. Ça serait pas mal qu'on en trouve, allez, au moins 10. Comme ça après je me fais un petit stand là-bas. Et maman, j'envoie des balles carrément. Je vais vous montrer un petit peu mon gros level en golf. Pas du tout. Je vais vous montrer un petit peu que j'arrive à frapper la balle quoi. Allez, c'est parti. Alors si je me souviens bien... Je les envoie quand même assez loin, hein, vu que j'ai une force de frappe incroyable. Mais plus j'avance et plus je me dis, bon, finalement, 10, on est un petit peu optimiste. Là, par contre, les amis, si je croise un serpent, je me rends. Je pense que là, je cherche même plus à combattre. Ah non. Oh si. Oh, celle-là, ça doit faire longtemps qu'elle est là, regardez. Regardez ça. Elle était carrément enfouie sous le sable. Oh là là, on enchaîne. Ça va qu'elles sont fluo, hein. J'ai bien fait de les prendre fluo parce que j'aurais pu les prendre blanches, mais bon, elles se confondent un petit peu des fois avec des fleurs. Là, ça va, fluo, on arrive à les voir plus ou moins bien. Non, mais je vous ai dit, c'est comme les œufs de Pâques. Merde. Sauf que là, tu peux t'y adhérer un moment avant de pouvoir en manger une partie. Il est même pas drôle, il est même pas drôle ce mec. Ça y est, j'ai trouvé la cinquième.
On est à la moitié de mes objectifs. Mais je suspecte quand même le chien des voisins, parce que là on a des voisins juste à côté. Je suspecte quand même leur chien traverser la barrière et venir les prendre. Parce qu'on l'avait déjà trouvé une ou deux fois dans le terrain. Donc à mon avis, c'est possible. Bon, je sais déjà qu'il y en a pas mal là-dedans, là, parce que je me souviens en avoir envoyé quelques-unes. On va pas aller les chercher aujourd'hui, celles-là. Parce qu'en short, je peux te dire, t'y laisses des plumes. Excellent. Oh, mais regardez la petite trouvaille que je viens de faire. Des petites mûres. Oh là là, ce qu'on va se mettre. Ça, c'est trop bon, ça. Bon, je préfère trouver ça que des balles de golf. Il y en a partout. Oh là là. Je vais me régaler, je vais rester là. C'est pas mal, là. Regardez. Oh là là, la nature est si bien faite. Bon, moi je vais arrêter de chercher les balles. Tiens, bah regardez. Le spot pour les murs. Une petite balle, voilà. C'est le destin. Fallait que je te trouve, toi. Regardez-moi cette taverne. Mais on trouve de tout ici, on trouve de tout. En tout cas, je suis bien content, j'ai trouvé une réserve de murs, ce qui va me procurer un max de protéines et de vitamine D pour survivre encore quelques heures dans cette putain de jungle aride. Et voilà mon repas de ce soir. Je vais en faire qu'une bouchée. Allez, maintenant que j'ai 7 balles en poche, je parle pas de 7 euros. Excellent, putain. Je vais tirer des grandes minaces. Regarde un peu le mec là. Non, je fais pas de compète. Tac. On peut y faire 7 pour l'échauffement. Attention. Ok, elle est belle. Un deuxième pour voir si c'est de la chance ou pas. À côté des murs. Là, on change de gamos là. Le ricochet, mon gars. Non, mais c'est que l'herbe était trop haute là. Du coup, j'ai pas pu la prendre assez en bas, tu vois, pour effectuer mon beau petit. Comment ça s'appelle déjà? Mon beau petit swing. Je sais même pas si c'est ça. Du coup, on s'est mis là où c'est plus court. Et là, attention. Attention. Holy shit! Celle-là, celui-là, bien. Elle va partir sur la lune. Avec Elon Musk. C'est le gars, il bouge de place à chaque fois, il pense vraiment que ça importe beaucoup. Écoutez ce qu'on va voir. Là, si je réussis pas là, c'est vraiment que je suis une grosse merde. Il reste que 3 balles en plus. Et avec 3 balles, tu t'achètes même pas un coca. C'est long, putain. Allez. Génial. Pas si mal, pas si mal. Faut pas que je les gâche, il m'en reste 2 là. Oh putain. Bon, ça y est, j'ai plus de sous en poche. J'ai 0 balle. Putain, il va la faire 3 fois quoi. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à faire le chemin inverse. C'est-à-dire, si je veux rejouer, il faut aller rechercher les balles. J'en avais plein, mais bon, elles sont toutes en haut. Je crois que je dois en avoir une 30aine qui doivent me voir passer. Mais bon, sans jamais que je les ramasse. C'est toute l'histoire de ma vie. Bon, sur ces belles paroles, il est déjà 19h20 passé, je vais couper le vlog maintenant. Comme ça, ça me laissera le temps d'aller faire le montage, tout ça. Donc, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié passer la petite journée avec moi. C'était dimanche, c'était chill, hein, vous avez vu. On n'a pas fait des choses complètement folles. Je pense que la vidéo ne sera pas très très longue vu les activités et vu le temps que j'ai pris à filmer. Mais ça fait aussi partie du jeu, voilà. C'est aussi ça, un été avec Lélé, c'est des journées où on fait pas grand chose. Mais bon, je pense que c'est chez tout le monde pareil. Hein. En tout cas, je vous dis à demain. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser votre petit commentaire. On me voit pas parce que les 3/4 du temps, je suis à contre-jour. C'est génial. Je vous souhaite une bonne petite fin de soirée et je vous dis à demain. Des bisous tout le monde.